Hello, bienvenue sur la chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien, aujourd'hui nous allons parcourir le top 10 des meilleurs stylistes camerounais. Passer d'un simple moyen de se couvrir et de se protéger des chocs externes à un moyen d'affirmer son style et sa personnalité, le fait de s'habiller est devenu tout un art qui nourrit une industrie entière, celle de la mode. Aujourd'hui, le but n'est pas uniquement de se vêtir, mais de bien se vêtir. Et nos stylistes locaux l'ont compris et de plus en plus répondent à la demande croissante de clients en besoin de styles vestimentaires qui en jettent. De plus, l'évolution des acteurs du showbiz ont fait décupler la mise en valeur du savoir-faire de nos doigts de fée en leur donnant des muses sur lesquelles resplendissent leurs créations. Suivez-moi et découvrons la crème de la crème des rois et des reines de la machine à coudre camerounaise. 10. Mai Wore. Figure même de l'autodidacte, Mai est une amoureuse inconditionnelle de la mode. En plus de son incroyable capacité à créer des vêtements, elle fabrique également des colliers. Son talent certainement lui vaudra plus de notoriété dans un proche futur. 9. Fez Ava. Avocate, maman et douce compagne de l'artiste musicien Numérica, elle porte effectivement plusieurs casquettes. Elle est la cofondatrice de la marque Eloli, dont le siège se situe à Yaoundé, dont les autres associés ne sont nul autre que ses sœurs basées à Londres et au Canada. 8. Raissa Minlo épouse Kaman. Jeune ex-mannequin et quatrième dauphine Miss Cameroun 2015, elle est à la tête de sa petite entreprise du nom de Mélanine, dont les designs sont faits de coupes nobles et variées. Aujourd'hui vivant en France, elle étudie la gestion du luxe afin de faire grandir sa marque. 7. Doris N'Djamena, encore appelée Clapsteel. Son nom le plus répandu est celui de Clapsteel, la reine des ciseaux. Entrepreneur camerounaise qui ne limite pas son art uniquement à la confection de tenues, mais aussi à l'apprentissage du métier aux jeunes passionnés, elle a été styliste pour l'artiste Coco Agenté dont les rapports avec le sujet se sont effrités dû à un malentendu. Récemment encore, elle entre dans la polémique avec l'influenceuse Coco Emilia et un autre styliste du nom d'Arnis The, dont le palmarès sera mentionné ci-dessous. 6. Arnis The. Jeune talent originaire du Sud Cameroun, il est basé à Yaoundé où dans son atelier, il confectionne des tenues à faire pâlir les plus grands noms de la haute couture. Jusqu'à récemment styliste de l'influenceuse Coco Emilia, il a aussi fait usage des réseaux sociaux pour faire connaître son art du grand public et on adore. Son nom de prestation est Zab Couture. 5. Claude Kameni. Jeune Camerounaise de 23 ans, gagne de plus en plus de notoriété dans le monde de la mode aux États-Unis principalement. Fondatrice de la marque Libby by CK, avec pour identité le tissu Ankara encore appelé Wax, elle réussit à jumeler talent et bon goût. Ainsi, elle a habillé Janet Jackson, Kelly Rowland, Tracy Ellis Ross, Jackie Aina, l'influenceuse de beauté à la renommée mondiale et nombre d'autres célébrités. 4. Anangan Yon. Elle fait partie de la clique des pionniers de la mode et de la haute couture au Cameroun. Diplômée de l'École supérieure des arts techniques de la mode de Paris, elle a eu à faire des stages chez les plus grands. Katusha, Paco Rabanne, Atsuro Tayama, pour ne citer que ceux-là. En 2001, elle crée Crayon et organise le tout premier show professionnel au Cameroun, The K-Walk. 3. Tuki. De son vrai nom, Tokeya Mbuento Marie Immaculée, elle fait partie des old school de la mode camerounaise qui a réussi à garder son charme. Fan de mode depuis son enfance, elle a toujours voulu vivre sa passion. Elle suit donc tout d'abord une formation professionnelle dans l'industrie de l'habillement au Cameroun, puis s'envole pour la France dans le but de peaufiner son art. Elle intègre S-Mode de Paris et Mode Esta, deux instituts de la mode dont elle sort diplômée. Après son retour au Cameroun, elle décide de partager son savoir-faire en devenant enseignante à l'Eniette de soi, puis lance le Tuki Fashion Show. 2. Blaze Design. De son vrai nom, J.E. Nsomba, il est le premier Africain de la shortlist des icônes de la mode, liste établie par la World Fashion Organization. Sa passion pour la mode voit le jour à seulement 19 ans et il intègre l'école des métiers de Bruxelles et dès la fin de sa formation, il est embauché par les plus grands dont Pierre Cardin, Christian Dior, Yves Saint Laurent. Il crée sa propre marque en 1978 du nom de Blaze Design et ouvre sa maison de couture 6 ans plus tard. La première dame Chantal Biya a eu à porter ses créations, sans oublier qu'il est le designer derrière la tenue des militaires camerounais. Numéro 1, Imane Ayissi.
Lui aussi nourrit sa passion pour la mode depuis son plus jeune âge et réalise ses premiers modèles avec sa maman comme premier modèle. Bon comme du vin, son art embellit avec l'âge et sa carrière ne va que de succès en succès. Il intègre en janvier 2020 le club élitiste de la haute couture de Paris. Il est le tout premier styliste africain subsaharien à y arriver. Il a aussi habillé Beyoncé dans son album Lion King, sans oublier sa carrière de mannequin pour les maisons Givenchy, Yves Saint Laurent et Blaze Design. En espérant que vous en avez appris un peu plus avec cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser vos avis en commentaire et surtout de partager. Avant de partir, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, bye!